Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures, ou le contraire. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, mais c'est extrêmement important comme récompense pour mon travail. Je vous en remercie d'avance. Alors évidemment, les Américains ont fait exploser 3 bombes atomiques. L'expérience Trinity à Alamogordo, Hiroshima, la bombe à uranium, Little Boy, le 6 août 1945, et Fat Man, la bombe à plutonium, le 9 août 1945. Mais ce n'était pas suffisant. Harry Truman avait ainsi prouvé à Staline que les USA détenaient la force nucléaire. De quoi limiter les envies de l'oncle Joe de lancer ses 50 000 chars d'assaut jusqu'au port de Brest. Mais ce n'était pas suffisant. Les scientifiques et les militaires américains avaient envie de voir quelles étaient toutes les possibilités de l'arme atomique. Alors on arrive à l'été 1946 et ce qu'on a appelé les essais Crossroad. L'opération Crossroad se déroule dans un petit atoll des îles Marshall, l'atoll de Bikini, qui allait devenir célèbre pour les explosions atomiques qui sont succédées de 1946 jusqu'à 1958. Le premier test, c'est celui que l'on appelle Hebel. Les deux essais vont avoir lieu avec des armes à plutonium du type Fat Man. Lors du test Hebel, un B-29, encore lui, va larguer la bombe à plutonium sur une flotte de navires. En tout, plus d'une cinquantaine de navires. Et parmi ceux-ci, des légendes. Le porte-avions américain USS Saratoga, qui a fait toute la guerre du Pacifique. Le cuirassé Nagato, qui a été le navire amiral du célèbre amiral Yamamoto. Celui qui a lancé l'attaque sur Pearl Harbor. Et également le cuirassé Nevada. Le cuirassé Nevada, c'est celui qui s'est échappé de Pearl Harbor, enfin, qui a à peu près réussi à sortir de la rade avant de s'échouer. Et une fois renfloué, il a participé au débarquement de Normandie en bombardant la batterie d'Asville dans le secteur de Utah Beach. Il a participé au débarquement en Provence en août 1944. Tous ces beaux navires vont être sacrifiés sur l'autel nucléaire. A remarquer que sur ces navires, on a laissé tout l'armement. On a même laissé les avions sur le porte-avions. Chaque navire a ses torpilles, ses obus, et ils sont tous bardés de capteurs divers pour enregistrer les effets de l'explosion atomique sur ces derniers. 1er juillet 1946, le B-29 largue sa bombe. Manque de bol, elle va rater l'escadre de presque 1 km et elle va exploser à 158 mètres d'altitude. Alors, sur les 50 navires, seuls à peine 5 seront détruits et envoyés par le fond. Et encore pas des gros. Il y aura 2 destroyers par exemple. Alors à ce moment-là, toute la presse qui avait été conviée par l'état-major américain est extrêmement déçue. Parce qu'on pensait avoir une arme aux portées gigantesques et au final, je vais pas dire qu'on a un pétard mouillé, mais pas très loin. Parce que couler 5 navires avec une bombe atomique, c'est un peu écraser une mouche avec un marteau pilon. Néanmoins, cette explosion aura des suites extrêmement amusantes. Un couturier et homme d'affaires, Louis Réard, a l'idée de créer un nouveau maillot de bain pour les femmes. Jusqu'ici, les femmes se baignaient en maillot une pièce. Lui va créer un maillot deux pièces, laissant apparaître le ventre et le nombril. Chose inimaginable pour l'époque. Mais il lui manque un nom pour son nouveau maillot de bain. Un nom qui accroche. Et puis, comme il a vu dans les journaux l'annonce de l'explosion atomique sur l'atoll de Bikini, il a l'idée de reprendre le nom de l'atoll pour le donner à son maillot de bain, d'où le Bikini. Je suis sûr que vous ne connaissiez pas cette petite anecdote. Revenons au sérieux. Alors, l'explosion Hubble n'est pas un réel succès. Il faut bien en convenir. Alors, les Américains vont passer au test Baker. Et pour le test Baker, on va faire une explosion sous-marine. C'est-à-dire qu'on va fixer une bombe de 23 kilotonnes de plutonium à 27 mètres de profondeur sous un navire expérimental en plein milieu de la flotte de guerre. Alors pour les amateurs, le type de bombe atomique, c'est la Mark 3A, donc celle qui a explosé sur Nagasaki, Fat Man. En début de matinée, à peu près vers 8 heures, on lance une impulsion atomique qui fait exploser la bombe. Alors, il y a quand même un détail sur lequel il faut revenir,
c'est que l'eau, c'est du H2O, on est bien d'accord. Donc il y a de l'hydrogène. Et on sait que l'hydrogène a son isotope, l'eau lourde, composée de deutérium. Alors à un moment, les scientifiques se sont demandé si, en faisant exploser une bombe atomique dans l'océan, on n'allait pas produire une réaction en chaîne à l'échelle de toute la planète, de tous les océans et mers de la planète. Mais bon, ils l'ont fait quand même. Après tout, il y avait une chance sur deux que ça marche. Coup de chance, ça a marché, il n'y a pas eu de réaction en chaîne. Néanmoins, ça vous démontre, comment dirais-je, peut-être un petit problème d'éthique au niveau des scientifiques. Mais bon, ceci est une autre question. En tout cas, l'explosion a été remarquable. C'est ce que vous pouvez voir sur la photo. Cette photo-là, tout le monde la connaît. On voit cette gigantesque sphère monter vers le ciel avec les bateaux en noir qui sont tout petits comme des insectes. Parce qu'effectivement, quand la bombe a explosé, elle a déplacé plus d'un million de mètres cubes d'eau. Elle les a mis en ébullition. L'explosion a atteint 3000 mètres d'altitude. Il s'est passé un phénomène physique que l'on a appelé le nuage de Wilson. C'est-à-dire qu'il y a une dépression derrière le front de l'explosion qui provoque un nuage de condensation. C'est ce que vous voyez sur la photo. Résultat des courses, 8 navires ont été complètement coulés et de nombreux autres endommagés. Dont par exemple, le porte-avions Saratoga qui a coulé, corps et bien. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que les opérations de décontamination ont été extrêmement mal menées. Je vous laisse imaginer le devenir de ces hommes qui ont été irradiés au plus haut degré sur les navires contaminés. En tout cas, Baker a été un grand succès. Les Américains avaient prévu une troisième expérimentation durant l'opération Crossroads, mais ils l'ont abandonnée. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'atoll a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une zone qui est toujours hautement radioactif, notamment au niveau du césium-137 et du cobalt-60, qui sont en grande quantité dans la terre et dans les nappes phréatiques. Il faut remarquer que seuls les oiseaux et les crabes ont pu s'acclimater aux radiations. Tous les autres animaux et écosystèmes ont été annihilés. Néanmoins, ce qui est bizarre, c'est que comme l'homme ne peut plus se promener dans les parages de l'atoll, la richesse en récifs coralliens est immense. Les corails ne sont pas gênés par l'activité humaine, ils peuvent donc proliférer. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Alors je vous dis à la prochaine fois et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait !